Aujourd'hui, on a un tête à mort pour montrer notre fierté acadienne. Ce soir, on est vraiment content parce que le monde est sorti. On a un vrai tête à mort. On est là pour montrer qu'on est une fière communauté et qu'on est une communauté qui se tient. En tout et partout dans la province, selon le recensement de Statistique Canada de 2006, on trouve près de 35 000 personnes de langue maternelle française, mais 95 000 parlant français. D'autre part, on estime à près de 10 à 15 % le nombre de personnes d'origine acadienne sur la population totale de la province. C'est les gens qui sont ici pour faire démontrer que la région de Clark ne veut pas perdre leur MIL, puis que Wendoda porte une grande importance à la région de Clark, puis à Halifax. Si lui n'est pas là, nous, on n'est pas entendus. Je me présente devant vous pour vous implorer de regarder favorablement notre demande de voir les frontières de la circonscription de Clark demeurent intactes. La circonscription originellement appelée Township de Clark a une base historique solide qui remonte à l'élection de son premier député acadien, Frédéric Armand Robichaud, en 1837. Cette coutume s'est maintenue sans interruption jusqu'à ce jour. Et espérons que cette tradition va se continuer. Ouais, le rassemblement, c'est pour montrer à la Commission qu'on est sérieux à votre garder notre siège ici dans la région de Clare. C'est important que les Acadiens de la province gardions leurs représentants aux législatives à Halifax. Puis comme nous autres, comme une communauté d'entreprises, parce que comme président de la Chambre de commerce de Clare, c'est très important qu'on garde notre voix. À notre avis, le gouvernement provincial vous a donné des termes de référence trop restrictifs et qui vont à l'encontre de la protection des minorités acadiennes et noires de cette province. Surtout, la fameuse clause 2D. Selon nous, cette clause va à l'encontre de la justice sociale et du respect des minorités, en plus d'un non-respect de la Charte canadienne des droits et libertés et plusieurs cas de jurisprudence. Ces termes de référence sont un affront au concept de représentation effective dans une démocratie comme celle de notre pays. On est une minorité, on vit dans le mode minorité, donc laissez-nous tranquilles. Même pas, faut pas oublier le concept de la richesse culturelle qui existe, la sorte de mosaïque culturelle qui existe à l'intérieur de la Nouvelle-Écosse. Et une des richesses qui s'y trouve, c'est les Acadiens. On va faire sûr qu'ils nous voient et qu'ils nous entendent bien clairement qu'on veut le statu quo.